Retour de tragédie, mais non, ça fait longtemps. Et ils sortent un album, un best-of en plus. Qui s'en fout un peu? Ouais, toi, ouais, toi, toi, ouais, tout le monde en fait, on s'en fout, mais carrément. Ils font genre qu'ils ont eu 20 ans de carrière. Ils ont sorti 3 sons potables en 20 ans de carrière. 3 sons potables. Et c'est sorti que en début de carrière. Vous avez fait quoi après pendant les 18 ans à venir? On n'a même plus entendu parler de vous. Genre, ils ont continué à faire des sons et tout. Genre, là, au bout d'un moment, tu vois qu'ils ont fait des showcases. Genre, il y a un public et tout. Mes frères, même sur billets réduits, des trucs comme ça, on n'a jamais entendu parler de vos showcases. C'est quoi ces showcases, frère? Mais je suis sûr que c'est des gens que vous avez payés pour qu'ils viennent à vos showcases. Tu vas me dire, oh, oui. On peut être nostalgique, vos sons, on va pas se mentir, à l'époque et tout, vas-y, c'était lourd, vous avez ramené ce côté américain, tout ça. Mais il y a pas que vous, il y a Willie Denzel et j'en passe, tu vois, qui ont fait ça. Vous, vous êtes là, vous voulez sortir un best-of de vos meilleurs sons qui datent depuis, en disant que c'est vos 20 ans de carrière, et en plus, vous avez sorti des nouveaux sons. C'est-à-dire, vous, la musique, vous l'avez pas lâchée. Ça veut dire que même pendant qu'il y a d'autres artistes qui venaient et tout, vous avez sorti des sons en scred et tout que personne n'a entendu parler, frère. Personne. Un best-of, mais n'importe quoi. Eh, 20 ans de carrière, pendant 17 ans, vous avez travaillé à Carrefour ou Footlocker et vous me parlez de carrière. On n'a même plus entendu parler d'eux. Il y a eu des documentaires, tout ça, qui sont passés sur eux et tout en disant qu'est-ce qu'ils sont devenus, frère. Et vous me parlez de carrière. Oh là là! Il manquerait plus que La Rousseau ou des chanteurs de l'époque et tout fassent la même chose en fait. C'est ça votre business plan? C'est là, vous disparaissez pendant des dizaines et des dizaines d'années et après vous sortez des best-of pour que les gens se souviennent de vous encore?